Salut à tous, c'est Megiddo. J'ai décidé de faire une petite vidéo sur un petit RPG pas très connu de la Super Famicom. Donc ouais, ce sera un RPG en japonais. Il faut savoir, à savoir, c'est Burai. Donc voici la boîte. Ouais, Burai, c'est un RPG donc sorti en 93, plus précisément le 14 janvier 93, développé par Paradox Box et édité par IGS. Donc c'est un RPG qui est sorti vraiment dans les débuts de la console, donc il y en a beaucoup qui le trouvent moche. Limite, on dirait du Dragon Quest sur Famicom, c'est pour dire. Mais ce qui m'a marqué en fait dans le jeu, c'est surtout le chara-designer du jeu. Alors, autant on avait par exemple Chrono Trigger qui était chara-designé par Toriyama, vous savez, le créateur de Dragon Ball. D'ailleurs, ça se voit bien sur les héros, comme là par exemple, on dirait Bulma en blonde. Voilà. Ici, donc, on a droit à un autre car designer assez connu, à savoir Shingo Araki. Vous savez, celui qui a fait la version animée du manga Senseiya, ou qui avait aussi bossé sur par exemple du Ulysse 31, du Lady Oscar, du Mazinger Z, du Goldorak, ou encore même Nolan. Un anime que j'aimerais revoir, c'est 4. Bon, je me suis envoyé un cover, j'ai dit tiens, je vais me prendre le RPG, il est peut-être sympa, et donc on va. J'ai pas encore joué. À l'origine, le jeu était sorti sur Mega CD. Là, je sais pas si c'est une suite ou si en fait c'est un portage. Donc on verra bien. Donc, eh ben, on va se retrouver une game. Comme je vous montre un peu le. Comme le jeu est complet. Comme vous montrer un peu la notice. Donc, voici la notice. Je vous dirai le nom dans la vidéo, dans le test, je vous dirai le nom en complet du jeu parce que c'est bourra et machin truc en compagnie. Quand on voit ce qui est marqué en dessous du titre, alors là, vous voyez la longueur du titre du jeu, alors je vous dis pas ce que c'est. Comment ça va être lent pour lancer. Donc là on a aussi des belles des illustrations. Ah, c'est un peu chaotique. Regardez, on reconnaît bien la patte de Shingo Araki. Là d'autres personnages. On a vraiment de belles illustrations. Hein. C'est vrai que le héros du jeu, il dirait vraiment Seiya quoi. Je vais essayer de changer. Oh non, c'est bon. Je pensais que le. Mais c'est pas un autofocus mon caméscope. Après on a quoi comme. On a d'autres illustrations. Non. On en a plus. Oh, c'est dommage. Donc là, ça doit faire avec des personnages sans mots, un truc comme ça. Là, on a d'autres images. Enfin, ça, c'est l'image de la cover. Je sais pas si vous voyez correctement. Non, non. Je suis bien arrivé, pardon. Donc, je sais pas si vous voyez bien. Des images. Voilà. Je pensais qu'il y avait plus d'illustrations dedans. Donc hop, tant qu'on y est, la cartouche. Voici donc la cartouche. Et ben, on va la mettre dans la Famicom et on va y aller. Et c'est parti. Allez, à tout de suite.
Salut à tous, c'est Megiddo. Donc après cette petite intro assez longue, nous voici donc pour Burai. Attention, alors le titre à rallonge, j'ai dû le noter quelque part. Alors c'est Burai Hachi Gyoku no Yoshi Densetsu. Ouais, ça prend 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça prend 7 kanji. Et alors que quand on lit, ça c'est long. Oh, ça redémarre, pardon. Donc comme je vous ai dit, donc c'est un jeu édité par Information Global Service, IGS, développé, pardon, je me suis trompé dans l'introduction, par Pandora Box, et pas Paradox Box. Ouais, Pandora Box d'ailleurs, ça me fait penser, c'est un peu, c'est le nom des urnes dans Saint Seiya, dans les boîtes dans lesquelles il met leurs armures, hein, pour ceux qui n'auraient pas fait le lien, quoi. Donc on a continué au Begin. Et ce que j'ai pu en voir, le problème, c'est que c'est un RPG qui a le syndrome Pokémon avant l'heure, à savoir, il n'y a qu'une seule sauvegarde. Je crois que c'est le seul RPG. Donc malheureusement, je verrai. Je sais pas si j'ai fait ma sauvegarde ou pas. Ça va voir bien. Donc j'ai fait un peu de recherche sur internet avant de jouer. Et j'ai assez surpris qu'il y en a beaucoup qui le décrivent comme étant le RPG le plus moche de la Super Famicom. Moi je le trouve assez classique. C'est vrai que à côté d'un Secret of Mana ou d'un Chrono Trigger sorti plusieurs années après, parce que là on est quand même en 93, enfin même le jeu a été développé il me semble entre 91 et 92 et seulement sorti début 93. Moi personnellement je trouve plutôt sympathique, simpliste d'accord, mais pas moche. Faut dire que j'ai joué au Dragon Quest et à d'autres RPG sur et les Final Fantasy sur Famicom, donc moi sérieux, ça je peux vous dire qu'il est pas moche, hein. Ça discute, j'ai aucune idée de ce que ça raconte. C'est deux bonhommes écurés, je pourrais même pas vous dire leur nom. Donc si j'arrive à aller voir en hiragana ou en katagana, donc on se déplace sur la carte. C'est vrai que là ça fait assez RPG 8 bits, hein. C'est vrai que on peut s'avouer, la console Super Famicom n'est pas utilisée à son plein, c'est pleine capacité. Bon, là j'affronte des monstres. J'ai regardé la sauvegarde qu'il y avait déjà dans la cartouche avant, parce que comme le jeu j'ai acheté l'occasion, personne ne s'en était servi avant. J'étais assez surpris, et je crois que ça devait être le seul RPG que je connaisse où on peut avoir une équipe de 8 personnages. Oui, on peut faire des combats de 8 personnages en même temps. Alors que d'habitude dans les Dragon Quest, les Final Fantasy et autres, on se limite à quoi, 3, 4 personnages, bon, peut-être extraordinairement 5, mais c'est la première fois que je vois que ça monte jusqu'à 8, quoi. On a pris 2 points de level. Ah, par contre, c'est hallucinant comme la carte, elle prend du temps à venir. C'est surtout une découverte, hein. Le jeu je ne connais pas vraiment, puisque j'ai depuis pas très longtemps. Donc, je sais pas où faut aller tout ça, donc c'est surtout une découverte, hein. Ça va aller tout seul. D'ailleurs, j'avais même lu sur internet Konsa. Il y en a qui s'appellent Konsa et l'autre Mai Mai, ce que j'ai compris. Non, c'est Gonsa. Les personnages donc qu'on a là, c'est Konsa et Mai Mai. Donc Konsa, ça doit être Konsa ou Gonsa, j'ai pas compris. Ça doit être le grand et Mai Mai, ça doit être le petit. Il n'y a pas un visage en coin. Mais bon, d'un côté, j'ai vraiment l'impression que ce RPG a été développé, n'a pas été développé pour la Super Famicom, quoi. On a l'impression qu'il a été développé pour notre console, puis après porté sur Super Famicom. D'ailleurs, il y a eu un épisode sur Mega CD, bien sûr aussi uniquement sorti au Japon. Mais là, par contre, je ne sais pas s'il a sorti. J'ai pas pu vérifier, enfin, j'ai pas testé pour voir si c'était donc le même jeu ou si celui-ci est une suite puisqu'il est sorti après. Bon,
charge pas trop. J'ai gagné 80 gold, 5 points de level, 5 points de level. Ah, mes personnages. J'ai un perso qui est déjà niveau 4. Donc, tant qu'on est sur la carte, on va regarder. On n'a pas un menu. C'est bizarre, ça, je crois que c'est RPG, il n'y a aucun menu. J'appuie sur toutes les touches. Elle est derrière rien. BA non plus. Toutes les touches en même temps, que dalle. Bizarre. Encore un combat. Moi j'aimerais essayer de trouver un village. Attaquer. Pourquoi il attaque plus contre ça? Mon autre perso serait mort? Village. Ça fait bizarre, c'est la carte qui divise en zones comme ça. C'est, ça montre bien que c'était pas un jeu prévu à la base pour la... Et je suis sûr que ça devait être à l'origine un jeu prévu pour Famicom, et finalement au dernier moment ils ont dit on va sortir sur... Ouais, moi je suis qu'un perso. Bizarre. Toi tu es déjà mort, comment ça se fait? J'ai pas de perdre d'ennemis, j'ai peut-être pas la route dans le temps. Sérieux, on dirait presque les temps de chargement tellement ça prend du temps. Il n'y a pas un village. En tout cas, les musiques elles sont bien, mais bon, assez classique pour les RPG, c'est-à-dire ça fait un peu bruit de trompette. J'ai 35 persos là, ça va être chaud. De toute façon, si je meurs, j'essaierai de prendre la sauvegarde qu'il y a déjà dans la cartouche. Ça n'a pas été facile. Je vais attaquer par 4 fourmis ici. Et là, je vais me faire fringue. Je vais me faire tuer, je sens bien. Aïe aïe. Quand je dis que je suis rarement des RPG, c'est sûrement, c'est surtout pour ça, c'est-à-dire des combats à répétition. Le début de l'aventure qui est vraiment lent. Souvent on sait pas ce qu'on doit faire, surtout quand on est comme ça RPG en Java. Mais en tout cas on arrive à les reconnaître quoi. Et puis leurs portraits sont vraiment bien faits quoi. Aïe aïe. Il a attaqué par quoi? Vous allez déclencher un combat ou trouver un héros qui va nous aider? Super, non, je suis tout seul et je sais même pas où est passé l'autre. Allez hop. Flingué, je le sens bien. Par contre, comme je l'ai dit, c'est vraiment une vidéo découverte. Hein. Je pense pas aller loin dans le jeu. Ah, j'ai pu me soigner. Mais sérieux, j'ai halluciné, c'est un nombre de réserves d'items que j'ai quoi. C'est avec ça j'arrive pas à gagner. C'est des kilabs. J'arrive pas à voir le nom complet de la bestiole. C'est quoi le nom? C'est Killer Monster Bonnet. Ah!
Killer Hornster ou Hornet. C'était Hornet, mais je suis pas sûr. Ouais, Bomber Hornet en fait. Killer Hornet en fait. C'est ça. On va y voir par là ce qu'il y a. À force d'arriver de tourner, toujours aller dans une seule direction, je finis par trouver où il faut aller. Là c'est simple, c'est des formes géantes. C'est marqué Kyudai An. Ouais, formes géantes, c'est marqué. Moi je sais, j'arrive à lire un peu le japonais, mais pas tout, c'est-à-dire j'ai vraiment un niveau CP maternel. De chemin, j'ai fait quelque chose celle-là. Montagne, y'a rien, y a rien par là. Toute la musique est bien entraînante. Ouais, j'ai mon horloge qui sonne derrière. C'est quoi tout ça? C'est de la magie ou quoi? C'est une armée ça, c'est ça? Je suis en train d'affronter une armée. Là, je crois. Là, pour me bien battre. Ils arrivent à les battre. Là, je vais essayer de les battre. Un village dans le coin ou quoi? Pas une tour. J'espère pas être trop loin dans l'histoire. Oh, des chevaliers du Zodiac! Non, je déconne. Oh mon dieu, il m'attaque! Comme quasiment tout ce que je rencontre depuis le début. Non, je dis conneries là. Mais... En tout cas, le jeu a l'air bien intéressant. Hein. Je comprends pas que. J'ai vu des mauvaises critiques, enfin... Ça, il me semble que ce soit un des premiers RPG de la Super Famicom. Il est vraiment sympa. Bon, le problème c'est que je trouve aucune solution, aucune information sur l'histoire du jeu. C'est un peu dommage. Donc j'avance à la vedette. C'est vrai qu'il a dit qu'il fallait que je vienne pour sauver Mai Mai. Enfin, c'est à peu près ce que j'ai compris. Donc au moins j'arrive à avancer dans l'histoire sans le vouloir. Encore des chevaliers d'argent. Par le chevalier de l'écureuil. Non je déconne. En tout cas on reconnaît bien la patte de Shingo Araki même pour des petits sprites comme ça quoi. On voit très bien l'influence. Comme je l'ai déjà dit, moi dans les RPG, c'est pas trop l'histoire qui m'intéresse. Moi, ce que j'aime bien, c'est farmer, c'est-à-dire affronter ennemi sur ennemi, entraîner mes personnages, essayer de trouver les meilleures armes, les meilleurs items. Je m'en fous un peu, tu sais. Moi, j'étais capable de finir les Final Fantasy 17, 8, 9, 10, 10, 2, 11, enfin 12, sans rien écouter de l'histoire, quoi. Pareil pour Kingdom Hearts 1 et 2. Il y en a, ils me disent « Ah, oh, sacrilège, oh, t'as pas honte d'avoir fait ça !» Alors moi, l'important, c'est de jouer, quoi, je m'en fous de l'histoire. Donc, alors, je vous dis
comme quand Aelys est mort dans FF7. Alors là, j'étais content comme c'est pas possible parce que c'est un vrai boulet comme perso. Oui, pour moi, Aelys c'est un boulet. C'est pas un perso intéressant. Voilà, je vais me faire allumer. C'est le nombre qui sont. Ils vont crever. Allez. Bah, c'est bon, je suis mort. Pas trop. Je suis pas mort? Bah bizarre alors. J'ai plus de vie. Bah je crois que j'ai plus de vie. Enfin c'est machin, elle est juste sur le côté, donc j'ai pas trop compris comment ça marche alors, tout ce thème. C'est quand qu'on rencontre les autres membres de l'équipe? Parce que si c'est encore un jeu où il faut attendre de perpète les oies pour avoir un deuxième membre dans l'équipe. Surtout que là en plus, à ce que j'ai compris, il y en a 8 alors. Là, je peux la faire, hein, les prochains pays d'argent là. D'ailleurs, je crois que c'est ce qui est marqué. Je crois que c'est marqué. Je suis pas sûr, mais je crois qu'il s'appelle réellement des chevaliers d'argent, mais je suis pas sûr. Ah, j'ai vu le mode. Je vois le mot chevalier, par contre. Ouais, mais bon, encore flingué avant. Du combat, c'est un peu dommage. Ah, un étage. Il y a combien d'étages à ce truc? Finalement, on n'a pas vu grand chose. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un reset. On va essayer de voir la sauvegarde. Je suis game over. Bref. Moi qui vais faire un reset, ça c'est pareil. Allez. Le premier jeu sera originaire de 89. Donc il y aurait eu un épisode avant la super. Enfin, avant la méga CD. Bon, ça, faut que je me regarde. Bon, on passe l'intro. On va essayer de voir si. La sauvegarde, si c'est encore l'ancienne ou si c'est là. Ouais, donc là c'est la sauvegarde qu'on peut voir. On a 8 persos quoi. Ça, on a le héros, un magicien, un voleur, sûrement les sorciers, les deux écureuils là. Et on a toujours pas de menu. J'essaie dans le village à coup par coup. On y va. Ça ressemble à quoi l'intérieur d'un village? Moi comme ça je vous ai fait montrer un village. D'ailleurs j'ignore où le joueur est à... Ah sérieux, on est chez des fourmis là. 11 610 gold. Eh ben je sais pas combien le temps de gars a joué mais bon. Oh je suis assez déçu. Ah c'est mal fait les maisons, je pensais qu'on rentrait dedans moi. Je vais sortir moi. Bon sort. Ah bah. Il fallait trouver. Et là, tous les coups, c'est pour des magies, à moins que c'est peut-être pour soigner. Ouais, bof. Je vais sortir. On va arrêter là, c'est pour faire montrer. Donc Bourra est sur Super Famicom.
un RPG sympa à découvrir.